Depuis le début de l'après-midi, le bâtiment de la Marine nationale, le Champlain, est allé au contact du navire immatriculé au Sri Lanka. L'Imula, c'est son nom, se trouvait alors à quelques 35 nautiques, à environ 70 km à l'est des côtes réunionnaises. Depuis son entrée dans les eaux territoriales françaises, l'embarcation est sous haute surveillance, car 46 personnes, dont des femmes et des enfants, sont à son bord, alors qu'elle ne fait qu'une douzaine de mètres de long. Les autorités locales veulent s'assurer de la sécurité de tous les passagers qui font depuis plusieurs jours route vers la Réunion. Le préfet responsable de l'action de l'État en mer a aussitôt déclenché avec les moyens du CROSS l'opération SAR. SAR pour Search and Rescue, dispositif international qui porte assistance et répond aux situations de détresse en mer partout sur la planète. L'Imula pourrait arriver, selon le communiqué de la préfecture, en seconde partie de nuit ou samedi matin, en fonction de sa trajectoire, par le nord ou le sud.